L'objectif de ma visite était de leur demander leur analyse et leur vision de la situation qui prévaut actuellement dans le système carcéral haïtien, à savoir les décès multiples de détenus dont nombreux semblaient être en détention préventive. À l'occasion de cette entrevue, j'ai pu bénéficier de l'analyse des membres de la commission et être informé de leur intention de conduire eux-mêmes une enquête afin d'avoir une vision plus précise des raisons de ce drame humain, mais également de pouvoir après travailler, me semble-t-il, sur un rapport et des préconisations. Merci. D'après l'observation nous fait, comme commission justice, droit monde et sécurité publique, et nous pas arrêter d'abdormi, nous caler genoux pour nous chercher qu'on est qui s'est passé, qui fait un pile prisonnier mourir dans prison comme ça. Comme président commission justice droit monde et sécurité publique, moi toujours chita avec collègue pour nous brasser l'idée sous question. C'est dans ce sens ça, comme nous connaissons dans le pays d'Haïti, nous pas isolés, nous avons une relation avec un pile d'autres pays, parmi eux la France. Dans ce sens ça, je dis à nous rencontrer l'ambassade de France qui délégué premier conseiller Stéphane Maïkon pour discuter avec nous sous question moun kap mouri dans prison, sous question problème malnutrition, sous question problème maladie qui gagne dans prison, sous question trop moun qui gagne dans cellule. Nous-mêmes commission justice là, nous pas prêter là. Là nous fin brasser l'idée, nous pral bataille pour n'atterrir l'idée ça autour parce que nous pas prêter dans planter seulement mais n'a passé dans matérialisation autour. Nous a toujours rester connecté avec peuple par intermédiaire gros pouvoir ça qui c'est la presse pour nous informer de tout travail commission justice droit monde et sécurité publique a réglé en dans chambre député a dans intérêt peuple haïtien parce que là on grand monde dans prison li mouri c'est pas grand monde seulement nous est famille nous est amis nous est toute société a net qui affecté parce que quel que soit zak que monde ta fait li dans prison yo doit respecter conditions la ville gens droit international droit monde dit pour sa fête. Jodi a en pile monde focus sur prison civile Port-au-Prince, mais pas oublier c'est dans tout pays à condition prisonnier ou pas bon. Et nous même tout faut nous pas oublier situation nous comme pays qui classé dans un pays pauvre. Dans sens ça, pour mener un travail comme ça à l'échelle nationale, ça li mande en pile bagaille. Li mande moyens logistiques, li mande moyens finances. C'est ça que fait nous même, nous pas jamais bouquer chita avec tout monde nous quoi. Qui capote si pour nous yon façon ou bien l'autre façon ou bien qui pas capable nous si pour mais qui ka aider nous jeune si pour quel que soit manière nan respect dignité nous nan respect pouvoir nous gagner qui c'est pouvoir pour nous contrôler eh bien action gouvernement à côté de pouvoir pour nous faire loi laisse ça pour nous capable arriver tout bon abouti à enquête là parce que yon enquête comme ça c'est pas une petite enquête c'est un gros papa travail qui mande en pile mobilisation moun. Parce que nous avons du travail nous pral faire nous même dans la commission de justice là nous ne doit pas gagner expertise là ça pral demander pour nous faire appel à l'autre professionnel et j'en dis nous ça pral demander moyens sous toute forme nous besoin presque plus prison et nous besoin réduire taux de monde qui dans prison yo pour raison préventive nous besoin résoudre problème ça yo et nous besoin presque plus prison nous besoin respecter droit moun son problème des droits humains qu'il dit moun yo pas gagner et services médicaux en dedans prison yo. Et nous étant haïtiens professionnels que nous sommes, la presse nous même étant députés nous étant bon idée déjà que problème là et nous pas diligenter quelques rencontres bien rapides avec votre autorité dans système pénal là dans système carcéral là tout à pénal pour nous enchérir plus d'informations plus pour nous connaître le problème pour nous faire quelques recommandations mais dernièrement il y a environ 30 personnes qui mourent dans la prison qui sont enterrées. Récemment, nous avons appris 10 personnes qui mourent dans la prison encore. Et puis, les gens sont question de problèmes de nutrition, problèmes de santé et 3 personnes encore. Nous avons appris une série de cas de tuberculose qui sont dans la prison, de choléra dans la prison, de VIH, maladie, malaria, toute qualité de bagages. Nous avons exactement ce que nous avons.
Nous seulement besoin de gagner une réponse scientifique. Mais il faut nous agir bien vite pour nous réduire le nombre de monde qui n'enseigne l'union. Exactement.